Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre aventure sur Resident Evil 4. On a vécu un épisode très 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 salé avec l'épisode 15 bien évidemment, mais bon, on a su se rattraper et donc on va commencer par se débarrasser de l'épreuve de tir. Je sais que ça peut en saouler certains, mais vous inquiétez pas, on va essayer de faire vite. C'est vrai qu'Ashley s'est encore fait kidnapper. Casse les couilles Ashley, hein. Elle s'arrête plus de se faire toujours kidnapper. On va faire du tir rapide. On va choisir, comme d'habitude, déjà la mitraillette. Et on va choisir le type de partie. C'est... Oh bah voilà, vous avez changé de décor, ça fait plaisir les potes. Allez c'est parti, choisir un type de partie. Bah c'est, on ne l'a jamais fait. De toute évidence. Ah très bien, j'ai voulu faire le show Miskina. Ok, de toute évidence faut le faire. Voilà, mal ça. Ça c'est... Ah oui d'accord. Ah vous faites des trucs comme ça maintenant, ok. Bon, désolé, j'ai pas préféré viser la tête, j'ai préféré amortir le coup, être sûr de moi. Ok. Voilà. Ok, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Je me presse mais finalement il n'y a pas vraiment besoin de se presser. Hein. On a quand même un petit peu de temps. Oh. C'est beau ça. Ok. Hop. Hop. Et. Hop. Encore 3 bonus. Mais vous êtes fous, les gars. J'ai eu 1500 rien que de bonus. Bah, bien sûr que j'explose le truc. C'est quoi ces conneries? Bah, bien joué à moi. Bien joué à vous. Bien joué à tous ceux qui le veulent. On est reparti pour un type de partie. C'est. Allez, une récompense. Ça, c'est plutôt cool. J'espère que j'ai pas loupé de. J'ai peur d'avoir loupé une porte de. De tir à l'entraînement. Non, parce que quand on y pense tout de suite, là, maintenant. Putain, saloperie. Quand on y pense tout de suite, c'est vrai que celle-là, par exemple, était très bien cachée. J'aurais pu la louper assez facilement. Pardon. J'ai la voix un petit peu enrouée. J'ai ce qu'on appelle un petit chat dans la gorge. Peut-être un plagas, qui sait. Voilà. Il y a une étoile filante, là, au moment, là, non? C'est quoi, les mecs? Quoi? C'est possédé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi, ça? Oh, il y a des events, bordel oh, putain. Ok, fais pas le con. Là, on a tout eu, là. Normalement, on n'est pas trop dégueu. GG. Deuxième prix, dont une météorite. Eh, c'est plutôt cool. Là, j'ai... Je vous avoue, j'ai pas tout saisi. Pourtant, je suis persuadé d'avoir fait un bon truc, mais... Ok. Donc, faut faire que des têtes. Pourquoi pas. Hein. Là, il y a eu un bonus, mais là, en fait, mais qu'est-ce que je... C'est pas du tout aléatoire. J'ai rien compris. Là, il y a eu un bonus. Miskin, ils ont pitié de moi. En plus, je mets quasi des têtes. Encore un bonus. Ok. Bah là, avec le double bonus, sachant que ça me fait 1000 points, je peux me permettre de ne pas viser la tête dans la panique. Ah, saloperie. Voilà. Ok. Pas mal, ça. Ok, là je pense que c'est acquis. C'est acquis, hein, j'en suis quasi persuadé. Voilà. Bon, 3700. Alors, un coup, je gagne masse bonus. Un coup, j'en gagne pas, je comprends rien. J'aimerais essayer de comprendre le principe même du jeu. Allez, on est parti. Ok, donc là, faut que je fasse un petit peu plus vite et que ça commence à s'éclairer parce que c'est pas bien. Sinon, on va taper un peu mal, les mecs. Ok, là, je suis plutôt rapide. Je comprends pas. Et là, il n'y a pas la météorite, c'est bizarre. Hein. Incompréhensible, messieurs, incompréhensible. Oh, putain. Ok. Ouais, d'accord. Je suis exactement au même endroit. Ok. C'est pas vrai. Bon, j'ai eu un bonus, mais vaut mieux... Quoi? J'en ai foiré rien, vraiment? Je crois que j'en ai foiré rien, c'est pas vrai! Ah! Bonus quand même obtenu! Oh putain, j'ai eu chaud! Ok, normalement là ça devrait changer, ça devrait ouvrir derrière. Yes! Je commence à comprendre le but du jeu. Donc au bout du quatrième, de la quatrième récompense. Oh là là. Ok. Ah mais là, les mecs, c'est terrible ce que vous me faites faire. Hein. Il nous reste 2 récompenses, on va y arriver. Ok. Ah, mais
là, aïe, 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 aïe. Là, faut viser des têtes, je suis pas chaud de ouf. Hein. Voilà, là, j'y crois, là, je pense. La cinquième, j'y crois avec le double bonus. Ouais, j'y crois, mais c'était pas évident. Ok, dernière, les potes. Et puis, on a réussi toutes les épreuves. La dernière, on y croit, putain. Ah, oh, 50 points, c'est terrible. Ok, c'est pas dégueu. C'est encore moins dégueu. Pas mal, ça. Pas mal, ça. Pas mal. Allez, on n'en foire pas, s'il vous plaît. Mais là, je peux pas. J'ai pas pu. J'ai pas pu concentrer mes pieds. Ah, putain. Ah, dommage. Là, c'est là qu'il faut pas que je me foire. Évidemment, je me suis foiré. Ok. Allez. Aïe, aïe, aïe. Un petit bonus. Yes. Bon, là, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Yes. Allez, c'est fait. Une rangée de terminée encore une fois. On a réussi l'épreuve. Bon, bah, comme d'hab, hein, ça prend à chaque fois... ça prend 10 bonnes minutes à chaque fois en début de vidéo. Mais bon, il y en a que 6. Et puis, c'est plutôt cool. Ça change un peu. Allez, 35... Putain, 35 000 pesetas. Il m'a gavé. Régalé. Ok. On peut continuer, les amis. Il a toujours rien à me vendre, me semble-t-il. On peut donc se barrer. On sauvegarde. Là, on va enchaîner les boss. Là, on va enchaîner les boss, les gars. Salazar, il est encore plus loin. Là, on va pas s'arrêter. Ça va être très, très chaud. Je vous le dis. Hein. Préparez-vous, les mecs, psychologiquement. Je sais pas si ça va suivre. Hein. Ok, on va regarder la carte. On va regarder quand même où on en est. C'est toujours sympa. Alors, si j'ai l'impression d'avoir le nez bouché, c'est que j'ai le nez bouché, les mecs. Hein. Y a pas photo. Ok, il y a une grande salle. Bon, bah, c'est parti. C'est parti, mon petit pote, comme on dit. Ça fait plaisir de retrouver un petit peu les villageois, tu vois. Je vais pas dire qu'ils m'ont manqué, mais quand même... Attends, je me suis entraîné sur cible, c'est pas pour me foirer comme ça. Bah, faut mourir, monsieur. Ah, ça fait tellement plaisir de les retrouver, ces frérots, putain. C'est qu'on s'approche du chapitre 3, les amis. Attention. Ok. On va tout ramasser. Ça, c'est bon, ça. On récupère un peu des munitions. Ah, je me souviens de ce passage. Ah, ça, c'est chiant. Ah, ça, c'est très chiant. Ok. Examiner. Attention, toute surcharge de dynamite sur le chariot provoquera un court-circuit. Ouais, ouais, ouais. C'est qu'il va y avoir un peu des gens pas très gentils à la dynamite. Vous en doutez. Yo, les gars. Il m'a fait tellement peur. J'ai back tellement il m'a fait peur, le mec. Allez, ferme-la. Pas sûr qu'il soit mort, mais enfin. Yo. Ok. Normalement, d'ici, on est plutôt bien. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, faut juste que je tue les mecs à la dynamite. S'il y en a. Ok, mais c'est fait. Lui, je peux peut-être faire une doublette snipe. Eh hey, on va se faire plaisir, quand même. Si je tire là, ça l'a touché. C'est beau, ça. Ok. Ça, c'est fait. On récupère le petit gun. Oh, ça me fait... Oh, la vache. T'as fait me la coller, quand même. Bien joué à toi, t'avais faim. Hey, calmez-vous, quand même. Pas tous à la fois, les mecs. Yo. La vache. Ok, on va faire gaffe. Ok, actionné. Ça a pété, ça. Non, c'est passé. Pas mal. Pas mal, ça, Mister Blue Dog. Ah! Ah oui, ça c'est chiant. Ah bah oui! C'est pas gentil, il y a de la dynamite! Mais qu'est-ce que fait ce petit truc de dynamite? Calmez-vous par contre. Non! Oh non! C'est tellement injuste! J'étais quasi sûr d'avoir tiré dans le truc, putain. Attends, ferme-la, appelle pas tes potes, toi. T'as rien vu. T'as rien vu, j'ai dit. T'as mal, hein? T'as rien vu, allez, dégage. Les gars, par contre, vous êtes bien, les gars. Oh oh. Non! Ça va péter! Courez! Bande de putes! Ah, vache! Il est mort? Mais putain, j'arrive pas à viser ce putain de dynamite.
Allez, allez, pète. Oh la vache. Ok, le souffle de l'explosion m'a sauvé aussi de la hache. Bon, j'allais tirer dessus, grâce à mes gestes, bien évidemment, incroyables. Mes incroyables réflexes de Lucky Luke. On est d'accord que je suis pas très, très, très bien, là. Hein. Et on est d'accord que niveau soin, je faisais le malin, mais ça devient compliqué. Bon, j'ai 3 sprays, mais ça me fait chier d'utiliser un spray. Vous me connaissez, je suis crevard dans le jeu. Ok, bah tiens, je l'avais pas vu, toi. J'ai plus de balles, sérieux? Ça, c'est chiant. Ah, ça, c'est gentil, par contre. Ça remplit pas mon pompe, mais c'est gentil, quand même. Allez, faut que j'arrive à le tuer en 2 balles. Ah, dommage. Ok, ça ne suffira pas, malheureusement pas ce soir. Bah c'est pas grave, on y va à la DMP, hein. Normalement il est low HP. Et où les frérots? Oh mais c'est pas vrai, hein. Vous, vous visez mieux que tout le monde, vous, hein. C'est pas vrai, hein. J'étais en plein déplacement, putain. Ok, on va en profiter pour reload le striker. Quoi? Attends, désolé gros. T'étais pas prévu, je sais bien, mais là... Ah putain, mais sérieux, donnez-moi tes balles! Ok. Suffit de demander. Mais non, mais c'est pas des balles, ça, c'est des lingots. Vous foutez de ma gueule. C'est bien d'être riche dans le jeu, hein, mais malheureusement, on peut pas... Hein, à moins qu'il y ait une arme pour jeter des lingots, ce que je doute fortement, en tout cas, dans mes souvenirs, elle n'existait pas. Ou une arme pour jeter des pièces. Un petit peu à la Dead Rising 3. Toujours dans le Funny LOL, n'est-ce pas? Y aurait pas un trésor, d'ailleurs, par ici, attendez. Cette salle me paraît bien grande pour... Non. J'allais dire pour ne pas cacher de trésor, mais pas du tout. Attendez, parce que je suis perdu, moi, avec toutes ces histoires. Les plagas sur le rocher semblent avoir été fossilisés. Ah, bah ouais. Il y a des fossiles de plagas, ça ne s'arrête pas. Comment je peux faire? Ok. Ok. Bon. Bah, vous l'aurez compris, je suppose qu'il faut remonter là-haut. Non? J'ai peut-être pas tout suivi. J'ai peut-être pas fait gaffe, je vous avoue, dans le cœur, dans le feu de l'action. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Faut jeter une grenade? Non? Peut-être passer par là? Une dynamite fait de la surcharge. J'avais bien compris, mais alors... Ah, peut-être là-haut, ouais. J'avais pas vu l'interrupteur, my bad. Pourtant, c'est pas les énigmes les plus cons, hein, mais bon... Vous savez que je peux rester bloqué à des trucs totalement stupides alors qu'en parallèle... Allez, on rétablit le courant. Allez, on trace. Hein ? Hop, petit raccourci familial. Je connais bien ces mines-là, hein. J'ai travaillé... Oh, ça, c'est relou, ça. C'est un gars, là. Oh, putain. C'est pas très gentil, ça. Ah oui, d'accord, en plus, c'est ici, quoi. Ferme-la. Alors... Quoi? Bon, les mecs, vous êtes super lourds dans le jeu. Ah, allez. Allez, ça dégage. Oh putain, et il y a un mec, il y a un mec, frère. Tu sais pas comment, mais il est là, il est debout, tout va bien. Tous ses potes ont pris cher, il s'en bat les couilles. Un petit... Ah non, j'ai dit un petit suplex à l'ancienne, mais... C'est vrai que les villageois peuvent pas prendre. Il va se transformer celui-là, non? Je serais pas étonné. Non, même pas. Ok. Bon, par contre, les mecs à la tronçonneuse sont beaucoup moins effrayants. Hein. Vous aurez remarqué que... Au bout d'un moment, t'arrives, mitraillette, on n'en parle plus. Vas-y, ça repart. Allez, ma gueule. Ok. D'accord. Plutôt cool. Plutôt sympatoche. Hop. Un petit bleu velours qui se cachait par ici. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends la dynamite. Bien sûr. Ok. Maintenant, faut que j'aille faire péter là-haut, là, le rocher. Là. Ah, je le sens bien, bébé. Vas-y, ma petite gueule. Ce rocher bloque le passage. Mais qu'ai-je dans mon inventaire qui puisse... Oh la vache! Prévenez! Putain! J'étais pas prêt. Je vous avoue que j'étais pas prêt. Je pensais quand même que j'allais faire le geste de l'allumer ou autre. Très bien. Ok, ça on ramasse. Plutôt cool. Ah, j'ai vu un petit... Oh, mais la vache. Balle de magnum. Je crois qu'on va finir le jeu au magnum, hein, les mecs. Hein. On a plus de balles de magnum que de... Ah ouais, 13 balles de magnum. C'est pas dégueulasse, ça. C'est pas dégueulasse. Est-ce que par hasard, mon odorat surdéveloppé m'annonce... Oh non!
Oh non, je m'en souviens. Ah, c'est pas cool. Oh putain, le point de sauvegarde est super loin. Ah, attendez, laissez-moi regarder une dernière fois la map. Ah, c'est pas cool. Ok. Un des passages que je redoute le plus. Bon, vous vous souvenez, je vous avais parlé il y a 2-3 épisodes d'un moment où on allait affronter deux El Gigante. Bah, ce moment est arrivé. Et là où je me pose quand même des sacrées questions, c'est qu'au final, j'ai pas assez de balles. Alors certes, mes armes font beaucoup plus mal, donc le El Gigante devrait être accroupi en un rien de temps. Mais waouh, j'y arriverai pas. C'est terrible, c'est terrible. En plus, dans le jeu, ils pardonnent pas. Ils donnent zéro munitions. Ah, je peux prendre la tyrolienne. On peut se faire des petits kiffs, les gars. Ok. On est parti. Là, je vois plus comment faire. Ok. Et de 1. Et de 2. Ouais. Ça, c'est chiant. Ça, c'est très chiant, ça. Ah, il s'en bat les couilles. C'est un plaisir. Ok. C'est bon? T'es à terre? Non! What? Oh, j'étais pas prêt, ma gueule! Bah, tiens. Ah, vache! Mais les mecs, mais vous êtes totalement starbés, hein. Les gars, vous êtes totalement fous dans le jeu. Réellement. Il y a deux putains d'El Gigante. Quoi? Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais... Ils sont totalement fous. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Il y a une technique. Il y a une technique absolument incroyable. Ceux de les faire tomber dans la lave. Allez, dégage. J'ai utilisé limite des balles pour rien, mais on s'en bat les couilles. Ok. Lui, c'est fait. Autant vous dire qu'il est pas bien. Ma question est, est-ce que je peux faire le deuxième? Ça, je doute fortement. Je pense que pour un seul, c'est plutôt cool, mais... Eh, hey, c'est pas revenu. Ah si, c'est bon, c'est revenu. Pour un seul, c'est largement faisable, mais pour deux, je crois que c'est pas possible. Ah bah si, pour deux, c'est possible. Ouais, mais j'aurais pas d'argent. Mais en ai-je vraiment besoin, bande de salopes? Quoi? Mais non! La vache que j'ai pris. J'ai pris ma vie. J'ai pris ma vie. Bon. Allez, hey, les gars, on a rien vu, hein. Hop, j'utilise un spray. Quoi? Impossible de l'utiliser une nouvelle fois. Quoi? Allez, vas-y. Fais-toi à terre, ma petite gueule. Allez! Et on coupe, et on coupe, et on coupe, et on coupe! On se dépêche. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, je vais arrêter de compter, ça m'a déjà saoulé. Ok, on est parti. Oh putain. D'accord, mais c'est un wagon qui est au-dessus, mais on peut pas faire tomber le wagon de toute façon. Ouais, on va essayer d'utiliser ceci maintenant. D'accord. Ok, ça c'est pas cool. Allez! Ça c'est vraiment pas cool. Hop, on reload pendant qu'il se baisse. Encore un coup, je crois que j'ai pas tué le plus facile, hein. Mais bon, après, c'est un peu de tous les mêmes. Allez, dépêche-toi. Ouais, mais on dirait qu'il donne des plus gros coups de couteau, mais que c'est totalement inutile. Bon, ça c'est fait. Alors, avec quoi l'arracher maintenant? C'est toujours un plaisir quand tu sais. Ah non, mais gros. Non! Ah, c'est chiant!
Allez, on bombarde! Très très chiant ça. Pas cool. Pas cool l'artiste. Je peux pas le réutiliser. Ouais, tu sais quoi, on va le tuer. On va le tuer, les gars. Hop, yo. Hop, yo. Hasta la vista, baby. Allez, baisse-toi que je t'arrache. Ok, c'est bon, une bonne chose de... Oh putain, merde, c'est quoi? Non, je me suis gouré. Oh non, j'ai envie de pleurer, j'ai fait le show. J'ai fait le show, je suis vraiment un fils de... Oh putain. Attends, on va pas la recommencer, mon pote, celle-là, je te le dis. Je te le dis, j'en ai rien à foutre. Ah, j'ai envie de m'arracher, j'ai envie de m'arracher le côté. Bien ça. Ouais, mais non, je peux pas utiliser des balles de... Impossible. Ok, on va redescendre. Impossible, les amis. J'ai pas envie d'utiliser des balles de magnum. Au pire, j'en utilise la mise si vraiment il faut. Voilà. 3 balles de snipe, c'est déjà pas mal. Normalement, c'est censé faire un minimum mal. Ah ouais, ils sont pas tellement les couilles. Allez, là faut vraiment pas que je me foire. Faut vraiment pas que je me foire. Allez, bombarde, 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 bombarde. S'il te plaît, c'est la dernière, ça serait sympa. Ok, c'est bon. Bon, bonne chose de faite, les potes. J'ai plus de balles de rien, c'est un plaisir. Hop, petite esquive latérale, je l'avais oublié celle-là. Ouais, tout ça pour 15 000 pesetas, on se régale, vraiment. Aïe, 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 aïe. Là, les amis, je pensais pas le dire, mais on est clairement dans une posture plutôt critique. J'ai utilisé 2 sprays, on est réellement... On n'est pas bien, on n'est pas bien. On n'est pas aussi optimisé que je le pensais. C'est pas grave, il me faut des munitions. Ça, c'est chiant, hein. C'est très très chiant. Ok, bon, des munes, c'est plutôt pas mal, à un moment donné. Allez, on se casse. Et j'ai des balles de pistolet. Oh là là, mais c'est terrible. Terrible. Là, c'est la phase... Y a... Quoi? Non, pas ce bruit. Oh non, c'est chiant. C'est les trucs invisibles volants. Oh là là, les gars. Ah ouais, mais... Là, vous faites rien pour m'aider, hein. Ah ouais, non. Dégage, toi. Donner des balles. Un petit... Oh quoi? J'ai pas fait exprès, pardon. Ok. Ok. Bon. Plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Un message dit, les deux lumières éclaireront un nouveau chemin. Ça, c'est cool. Une herbe verte. Je prends volontiers, ma petite gueule. Vu comment je suis pas en état de... C'est chiant, quand même. Attendez. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Descendez, descendez, c'est plus drôle. Ah, d'accord. Ah! Oh putain! Baiser! Les mecs, on les entend pas arriver! Il est passé où? Il est derrière moi. Ça va, toi aussi. Oh, les gars, les gars, les gars, les gars. Bon, par contre, j'ai pas me plaindre, ils me donnent des munitions, ça, c'est plutôt cool. Ah oui, ils donnent même pas mal de munitions, c'est plutôt très, très cool. Allez, dégage. Tu me connais pas. J'ai une licence en... Oh, putain. Ok, ma gueule. Qui d'autre? Qui d'autre veut faire le show? Qui d'autre veut me tester? Qui veut manger du cassoulet? Ok, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Tiens, encore une herbe. Ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est plutôt cool. Yo, les frères. Y'a rien là-dedans, là? Pas d'embrouille, même pas de litige?
Une sorte d'interrupteur. Ah, vas-y, appuyons. Ah, le coup des miroirs. Incroyable. J'entends toujours des bêtes voler, alors il y a quasi personne, c'est terrible. Ah! On commence à récupérer des petites munitions un petit peu partout, des petites herbes aussi. C'est plutôt cool, ma foi. Je ne dis pas non. Hop. Des balles de pompe. Ah, mais tu parles, je vais recharger une fois le pompe. C'est fini, plus balles. Allez, dégage-toi. Ok. Je suis en mode un peu tristance là, je vous avouerai. Encore une nouvelle. Oh, une herbe. Oh putain, c'est bon ça. Je pensais pas le dire. Je me pensais hyper chaud au niveau soins, mais alors attention comment ça fait plaisir. Hein. Ok. Des petites mines. Yes, ça, ça fait plaisir. Wow, wow, wow. Alors je suis désolé les gars, je parle pas beaucoup, je suis en phase où... pas en phase d'admiration, je suis plutôt en phase de... Je suis en train de chialer dans ma tête. Intérieurement, je suis pas bien, je suis là en mode, mais... Si je me fais arracher comme ça, mais qu'est-ce qui m'attend à l'avenir? Parce que là, je suis pas prêt du tout. Donc, on va tout reload au cas où. C'est vrai que je devrais quand même garder... je devrais pas tout recharger, mais... Ah, quoique, il y a un vendeur dans pas longtemps. J'ai peut-être fait une grosse erreur, les amis. J'aurais peut-être pas dû recharger. Étant donné que si on améliore la capacité du chargeur, on récupère toutes les munitions. Aïe, aïe, aïe. Peut-être la plus grosse erreur pour moi ce soir. Ok. Forcément, les mecs. Tu sens que... Tu sens qu'ils sont sur mes côtes. Oh, il marche! Attention! Attention, je crois qu'en reculant, ça ne va pas suffire, ça n'a pas suffi. Allez, c'est le temps. Putain, c'est terrible! Vous êtes encore combien là-dedans, là? Attends, faut pas que je recharge, vraiment. Voilà. Je vais utiliser un peu de balle de TMP, ça peut être pas mal. Histoire de vider un petit peu les chargeurs, si jamais je peux l'améliorer après, j'y crois. Hein. Je compte beaucoup dessus, vous l'avez vu. Yes, c'est beau, ça. Allez, vas-y, ma petite gueule. Y'a pas de trésor? C'est terrible. Y'a pas du tout de trésor, là? Attendez, parce que bon, ça va bien. Même si l'argent ne me sauvera pas... Non. Non, il n'y aura pas de trésor. Faut juste que je redescende, très bien. Allez les gars, vous êtes chiants là. Merde, j'ai rechargé. Oh, fils de rat. Rat que je suis. Quoi? Quoi? Ah, je prends cher. Hein. Les gars, ces épisodes, je prends super cher. Ok, je prends super cher, très bien. Comment il faut faire là, de toute façon, j'ai compris. Voilà. Toujours plus, putain. Toujours plus. C'est un plaisir. C'est un plaisir, tout ce que je prends. Vache. Ouais, vas-y, si je tire, ça fait quoi? Oh, c'était peut-être pas la meilleure idée, ça. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas compris à quoi servait l'interrupteur pour le moment, les gars. Je vous avoue. Mais bon. Ok. Tu sens encore la petite invasion de... d'insectes volants à la con, là? Allez, c'est parti, je crois qu'on peut enfin sauvegarder. Ouh, fin du chapitre.
Bon, 65% de précision, forcément, les trucs volants, c'est chiant. 53,5 tués. Et le compteur de mort qui ne cesse de monter, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, il faut s'y faire. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va quand même voir si je peux pas parler au vendeur. Est-ce qu'il peut me faire le plaisir de pouvoir me permettre d'augmenter? Histoire de récupérer des balles gratos, là, parce que je suis un barcreux, là. En ce moment-là, les gars, je vous avoue que je suis pas au top de ma forme. Ok. Alors, on va regarder la carte. S'il n'y a pas un petit trésor qui traîne. Je l'ai pris, paraît-il. Donc, on peut continuer. Ah, une petite note. J'aime bien les notes, vous le savez. En 18 pages. Lettre d'Ada. Une fois qu'un œuf de Plaga est clos, il est presque impossible de le retirer du corps. Avant ce stade, les médicaments peuvent faire effet. En dernier ressort, on peut tenter la chirurgie avant le stade adulte, mais l'opération est très délicate. Cette intervention risque fort d'entraîner la mort du sujet. Je pense que l'œuf a été injecté dans la fille avant vous. Ses heures sont comptées. Préparez-vous au pire. Bah alors, elle est pas super fresh. Ok. Welcome. Ah putain, ça me fait plaisir de te revoir, mon ami. Hein. Ça me met pas... Ah ouais, puissance de feu 3.7. C'est pas mal, ça. Ah ouais, le striker qui va me recharger toutes mes balles. Et la puissance de feu qui monte à 8. Oh, le fusil qui a un poids. Oh là là là, oui, gavez-moi de balles. Donnez-moi. Ok. Attendez, j'ai cru voir la TMP. Ça, c'est plutôt cool. Et vous savez quoi, la TMP? Avant d'améliorer sa contenance, on va la vider un peu. Parce que là, ça sert pas à grand chose. On va sauvegarder, les amis. Fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Vous le savez, je ne cesserai de me répéter. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bisous, bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.